Bonsoir, bienvenue dans votre JT. 100 nouveaux officiers ont reçu aujourd'hui leur épaulette. Il s'agit de la 51e promotion baptisée Amadou Gon Coulibaly. Le chef du gouvernement, le ministre d'État en charge de la Défense ont pris part à la cérémonie. La nouvelle défraie la chronique en Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo se rencontreront le 27 juillet prochain au palais présidentiel. Les Ivoiriens saluent l'initiative. Vous les entendrez dans ce journal. 100 nouveaux officiers ont reçu aujourd'hui leur épaulette. Il s'agit de la 51e promotion baptisée Amadou Gon Coulibaly. Le chef du gouvernement, le ministre d'État en charge de la Défense, ont pris part à la cérémonie. Thiemé Dondje, Fulgence Kissiédou. Zambakro, à 243 km d'Abidjan. Une nouvelle page de la carrière militaire s'ouvre pour ces pensionnaires de la 51e promotion de l'école des forces armées, admis au grade de sous-officier et de médecin-lieutenant pour leur sortie de l'académie des forces armées, ils ont à leur côté le chef du gouvernement et le ministre d'État en charge de la défense. Devant le drapeau et ses hôtes de marque, ils prêtent serment. L'exécution de l'armement militaire, l'observation de la loi et le succès des armes de la Côte d'Ivoire. Par cet engagement solennel, la promotion Amadou Gon Coulibaly, forte de 100 officiers de 13 nationalités, dont 82 Ivoiriens, ayant en leur sein 9 sous-lieutenants féminins et 9 médecins, est apte à diriger une infanterie sur des théâtres opérationnels. Elle est alors promue au grade d'officier. Médecin, élève officier et élève officier de la promotion Amadou Gon Coulibaly. Au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Chef suprême des armées, je vous nomme respectivement médecin-lieutenant et sous-lieutenant et vous remets les insignes de votre grade. Élevés au grade de chef militaire, les tout nouveaux sous-lieutenants et médecins reçoivent insignes et épaulettes. Avant le terrain, le drapeau est confié au cadet de la promotion Ahmed Bakayoko, avec pour parrain Philippe Mangou. Tous sont invités à marcher dans les pas des défunts premiers ministres dont les promotions portent les noms. De la promotion Amadou Gon Coulibaly, l'éponyme de votre promotion vous honore et vous engage à demeurer fiers, loyaux, courageux, à l'image du lion, comme on appelait affectueusement celui dont vous aurez décidé de porter le nom. En choisissant ce nom, vous vous engagez à être des officiers déterminés dans leurs tâches. Quant à vous, jeunes officiers de la promotion Ahmed Bakayoko, l'année prochaine, vous terminerez votre formation initiale entamée dans cette école il y a 10 mois avec ce même esprit d'engagement et de sacrifice. Je vous engage à aimer vos pays respectifs, à penser d'abord à la patrie, à la République, avant toute autre considération. Ces consignes sont entendues. Les 100 nouveaux officiers l'expriment à travers un défilé. Sous les airs d'un chant d'hommage à leurs parrains, ils réitèrent leur serment de servir avec loyauté et dévouement. La promotion Amadou Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo se rencontreront le 27 juillet prochain au palais présidentiel. L'information a été rendue publique hier à l'issue du Conseil des ministres. C'est un pas de plus vers la réconciliation et la paix, selon les Ivoiriens, rencontrés par Brice Nyonwa et Aruna Ziba. Le 27 juillet prochain, l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo rencontrera le président Alassane Ouattara au palais de la présidence. Annonce faite par le porte-parole du gouvernement mercredi, à l'issue du Conseil des ministres. L'information alimente presque toutes les causeries dans les rues et les quartiers. Je suis contente que cette rencontre ait lieu parce qu'au moins ça va décrisper l'atmosphère politique et sociale. Les Ivoiriens, je sais que tous les Ivoiriens attendent cette rencontre. Bon, s'il pouvait faire ça depuis son arrivée, depuis même qu'il devait arriver à l'aéroport, il devait aller l'accueillir, mais bon. Mais c'est pas, le monde n'est pas trop tard aussi, ça peut se faire. Voilà. Je ne sais pas de quoi ils vont parler, mais néanmoins, comme on va les écouter,
Voilà, on va savoir de quoi ils vont parler. Il faudrait aussi et surtout que cette rencontre soit l'occasion pour les leaders politiques de se pencher sur l'intérêt des Ivoiriens. Il faudrait qu'ils pensent au moins, nos leaders là, pensent au moins une fois à la population, la basse classe, les citoyens lambda. Il ne faudrait pas qu'ils mettent leur orgueil au premier plan. Ils n'ont qu'à se soucier de nous, des peines que nous subissons dans leurs désaccords, dans leurs mésententes. Mon plus grand souhait est qu'ils mettent de côté toutes leurs querelles et qu'ils privilégient l'intérêt de la nation ivoirienne. Juste tout ce qu'on a vécu dans les années précédentes, même tout récemment, là, tout ce qui s'est passé en fin d'année 2020. Donc on espère vraiment que cela va pouvoir apporter en Côte d'Ivoire un aide de réconciliation, de paix, de fraternité et puis d'harmonie. L'ancien président Laurent Gbagbo était à Daoukro le 11 juillet dernier, où il a rencontré le président du PDCI, Henri Konan Bédié. Les deux hommes ont évoqué le projet d'un dialogue national. Il existe désormais une plateforme de gestion des plaintes foncières. Elle a été lancée aujourd'hui par le ministère du Budget et du Portefeuille de l'État. Cette plateforme permettra aux usagers des services du cadastre et de la conservation foncière de faire part de leurs plaintes sur les services de l'administration et les cas de fraude. Nadia Idia, Aruna Zeba. En quelques clics via le site www.i-plainte-foncière.gouv.ci, l'usager, client des services du cadastre et de la conservation foncière, pourra désormais avoir recours à une assistance en ligne pour la gestion des plaintes non juridictionnelles et des fraudes en matière foncière. La première catégorie qui porte entre autres sur l'accueil, l'orientation, l'absence d'information ou l'efficacité sera traité dans un délai maximum de 72 heures, tandis que la prise en compte des cas de fraude pourra se faire en 30 jours. Une modernisation de l'administration qui convient bien à la stratégie d'amélioration du climat des affaires adoptée par le gouvernement. Aujourd'hui, de façon réglementaire, les délais sont fixés dans un texte et donc qui oblige les différents services à aller vite, à faire preuve de célérité pour pouvoir satisfaire nos compatriotes. Cette réforme qui a été réalisée voit se réaliser vraiment cette préoccupation de mettre le concitoyen, l'usager, au cœur de nos services. Grâce à cet instrument informatique, l'usager pourra suivre en temps réel l'évolution de sa plainte. Un atout majeur pour le dynamisme de croissance économique enclenché par la Côte d'Ivoire. Depuis plusieurs années, le gouvernement a entamé un processus pour améliorer le climat des affaires à travers la modernisation de l'administration publique. Les plaintes ne pouvant être traitées par l'Observatoire des plaintes foncières dans les délais requis seront transférées vers les administrations compétentes. Le programme Agir 3 rencontre des blocages liés au financement des jeunes. Le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique a rencontré ce jeudi les responsables de la microfinance en charge du financement pour lever ces blocages. Pierre Dipomelin, Tanguy Kono. Seulement 900 porteurs de projets sur les 23 000 éligibles au fonds de Agir pour les jeunes phase 3 ont pu bénéficier de financement. Une lenteur dans le traitement des dossiers qui a provoqué plaintes et inquiétudes. Le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique a eu des échanges avec les responsables de la COPEC, la microfinance qui accompagne le programme. Il s'agit pour le ministre Mamadou Touré de comprendre les raisons de cette lenteur, mais surtout d'apporter une solution pour plus de célérité dans l'octroi des fonds. Les difficultés soulevées par la COPEC sont que, d'abord, l'insuffisance des ressources humaines au niveau de la COPEC, puisque le processus veut que, avant de débloquer les ressources, des agents de la COPEC visitent les activités des jeunes. Si un jeune à Makori dit qu'il veut faire un commerce, on s'assure qu'il a le local avant de débloquer les ressources. Et donc, souvent, vous n'avez qu'un seul agent qui doit faire le recouvrement d'Agir 2, faire le suivi d'Agir 2, mais qui doit aussi faire des visites pour s'assurer que les jeunes qui, dans le cadre donc, d'Agir 3, ont effectivement rempli toutes les conditions pour avoir donc, le déblocage donc, de leurs ressources. Pour pallier cette insuffisance des ressources humaines de la COPEC,
à la base des lenteurs observées dans le processus de mise à disposition des fonds, le ministre veut engager 300 jeunes qui vont être formés et mis à la disposition de la microfinance. Nous allons renforcer, nous, le dispositif de la COPEC. Donc, nous allons recruter 300 jeunes dès le 1er août. Donc, 300 jeunes seront recrutés et mis à la disposition de la COPEC pour aider la COPEC dans le suivi des activités, dans le recouvrement donc, des ressources donc, sur le terrain. Ça permettra d'accélérer le contrôle des activités des jeunes et accélérer donc, le déblocage donc, des ressources pour plus tard le 31 août. En 2019, la phase 2 du programme Agir pour les jeunes a permis de financer 23 000 jeunes qui ont reçu au total 10 milliards de francs CFA. Ces jeunes sont en activité et ont réalisé un taux de remboursement de plus de 70%. Le succès de cette opération a permis de lancer Agir 3 avec une autre enveloppe de 10 milliards de francs CFA. Cette troisième phase vise aussi 23 000 jeunes porteurs de projets. Des anciens travailleurs d'Air Afrique sont toujours en attente de leur indemnisation. Près de 19 ans après la liquidation de cette compagnie, l'État de Côte d'Ivoire avait été condamné à payer 9 milliards de francs CFA aux travailleurs. Le ministère des Transports promet un dénouement heureux dans la première quinzaine du mois d'août. Yeli Traoré, Eli Kimou. Les 867 anciens travailleurs ivoiriens de l'ex-compagnie multinationale Air Afrique et leurs ayants droit ne sont pas contents. Et pour cause, presque 20 ans après la liquidation de leur entreprise par le tribunal de première instance d'Abidjan, ils attendent toujours le paiement des 6 milliards que l'État leur doit. Paiement de nouveau promis pour au plus tard le 15 août 2021 par l'agence judiciaire du Trésor. Cela fait 19 ans que nous n'avons pas reçu nos soldes de tout compte et nos droits. Les autres pays membres d'Air Afrique ont intéressé leurs ressortissants, sauf la Côte d'Ivoire. Donc nous voulons lancer un cri de cœur à l'endroit du président de la République pour qu'on nous paye. Le dossier à l'AJT, on ne sait pas qui bloque le dossier à l'AJT, qui bloque les instructions du président de la République, qui refuse de nous payer. Le président de la République a donné les instructions depuis 2016-2017 de payer les agents d'Air Afrique. Les responsables du comité de suivi des droits du personnel demeurent optimistes en dépit du blocage du paiement de leurs droits. Notre espoir est grand. Vous avez vu les souris qui sont sorties quand nous avons annoncé que le directeur de cabinet du ministre des Transports, qui nous a reçus en audience le 2 juillet, nous a annoncé que dans la première quinzaine du mois d'août, nous serons payés le temps qu'il aplanisse les obstacles qu'il y a autour de ce dossier. Le comité de suivi du personnel ivoirien de l'ex-compagnie a décidé de surseoir à ses actions dans l'attente de la nouvelle date annoncée pour le paiement de leurs droits, soit le 15 août 2021. Deux mois après la visite du ministre de l'Hydraulique, toujours au Pado à Belleville et au Plateau, deux quartiers de la commune d'Abobo confrontés à la pénurie d'eau. On en parle avec Brice Nyanwa et Eric Kimou. Le ministre de l'Hydraulique en visite dans les quartiers d'Abobo, notamment à Belleville et Plateau le 11 mai dernier, a annoncé des solutions pour résoudre définitivement le manque d'eau potable auxquels sont confrontées ces populations. Cependant, en attendant la fin des travaux de canalisation, les services de l'Office national de l'eau potable ravitaillent ces populations en eau, comme promis par le ministre Laurent Tchagba. Ces ravitaillements se font deux fois par semaine, ce qui réjouit certains riverains, même si pour d'autres cela reste insuffisant. Supposons une famille qui a une seule varie, une famille de 4 à 5 personnes. Les 4 personnes vont se laver. Déjà l'eau est au milieu. Donc pour une journée même, une barrique, c'est insuffisant. Or les citernes font souvent deux tours dans la semaine. Donc sincèrement, ça ne comble pas. Les travaux de canalisation et de fourniture d'eau devaient s'achever dans un mois, mais les choses n'avancent pas comme prévu selon ce riverain. Nous avons suivi les travaux avec eux. Vraiment, ils sont arrivés jusqu'au mur là. Maintenant, on ne sait pas pourquoi ils n'ont pas encore fait les branchements pour que nous puissions avoir de l'eau. Ils disent que c'est l'entreprise qui a le travail en main, qui a pris un peu de retard. Donc, nous sommes dans l'attente. S'ils pouvaient, d'ici la fin de ce mois-là, résoudre le problème de l'eau de Belleville, vraiment, ça allait nous faire assez plaisir. Pendant ce temps, les robinets de Abobo-Belleville demeurent encore secs.
À Korogo, tradition et modernité font bon ménage. La ville a connu une modernisation accélérée ces dernières années. Pourtant, elle vit encore au rythme de la tradition et garde jalousement ses bois sacrés. Nadia Edja. Korogo, à 635 km d'Abidjan, au nord du pays. La ville a connu une modernisation accélérée ces dernières années. Pourtant, elle vit encore au rythme de la tradition et garde jalousement les 5 bois sacrés que compte la ville. Une parfaite cohabitation entre tradition et modernité. Nos bois sacrés, c'est là. Donc, si on doit faire les sacrifices comme ça, on dit à les gens, à la radio, bon, les temps, le pro doit sortir, tel jour, le pro doit sortir. Bon, on se comprend quoi. Il y a le développement, la tradition est là. C'est-à-dire, l'un ne peut pas supprimer l'autre. C'est-à-dire, ça peut aller ensemble, les deux. Par hasard, nous tombons sur une sortie de jeunes initiés du bois sacré central. Mais il est formellement interdit de filmer. Car l'une des choses que le Sénoufo se plaît à garder jalousement secret, c'est sa tradition. Il y a des secrets qu'on ne peut pas parler. Moi, je vous dis, la culture Sénoufo, si on dit on va présenter tout, tout le monde entier va tomber ici pour venir voir. Mais tout est secret. C'est-à-dire, sur 100, peut-être c'est 30 seulement qu'on présente. Chez le chef de canton ce jour-là, plusieurs personnes sont présentes. Certaines pour exposer des problèmes, d'autres pour des remerciements. À Korogo, rien d'important ne se fait sans l'implication du gardien de la tradition. Pour comprendre les valeurs du Sénoufo, il faut observer avec attention cet oiseau, le Kalao, l'emblème de la région. Le Kalao, pour nous, est comme le gardien du bois sacré. C'est tout le savoir du Sénoufo se retrouve dans cette école. La crête qui est là, la dignité, le plus cher du Sénoufo. Il peut tout perdre sauf sa dignité. Donc on ne peut rien mettre sur sa tête sans qu'il ne soit d'accord. Le groupe qui est là, c'est vrai que c'est long, mais c'est plus que c'est fermé. C'est la prudence dans la parole qu'il se nous faut. Il faut savoir parler et savoir quand parler. Le groupe vanté, vous voyez, c'est le symbole de la procréation. On donne la vie, on donne la vie à autre personne. Les ailes que vous voyez ici, c'est le symbole de l'accueil. De l'hospitalité du Sénoufo. Il n'est pas dressé. C'est le symbole de l'honnêteté et de la sincérité du Sénoufo. Et c'est lors de l'initiation au Poro, étape incontournable dans la vie du Sénoufo, que lui sont transmis ses enseignements. Pour le chef de canton, il est important de les laisser transparaître dans la vie en communauté. Si tu es Sénoufo, tu n'as pas fait le Poro, c'est comme si tu ne connais rien encore dans la vie. Ça nous rend beaucoup de services à maîtriser nos jeunes. À les sensibiliser, à les conseiller. En dépit de la forte domination culturelle, Korogo reste une ville d'hospitalité où tous sont les bienvenus. À ce jour, près de 250 000 habitants vivent en parfaite harmonie. On revient à Abidjan avec cette plainte des populations impactées par la construction de l'autoroute Y4 devant contourner la ville d'Abidjan à partir du grand carrefour d'Akwedo. Elles se plaignent du non-respect des modalités prévues dans le plan d'indemnisation. Le coordonnateur du projet de transport urbain d'Abidjan fait des précisions. Nadia Edja, Eric Imo. Nous sommes certains que nous devons partir. Nous sommes convaincus et nous allons partir parce que c'est l'État qui a besoin de la terre, et la terre de Côte d'Ivoire appartient à l'État de Côte d'Ivoire. Mais nous allons partir où? Avec ces miettes-là qu'on nous propose. Nous demandons pardon, nous demandons pardon. Qu'on revoie le coût de notre dédommagement afin qu'on puisse partir d'ici la tête haute. Voici entre autres ce que plaident les populations d'Anyama Ran impactées par la réalisation de la voie Y4 qui devra relier le carrefour d'Akwedo au stade d'Ebimpe, en passant par les quartiers d'Abobo, Akekwa, Anyama. Il dénonce la non-conformité entre les modalités contenues dans le PAR, plan d'action et de réinstallation des populations, et celles qui leur ont été récemment communiquées par la structure en charge de l'indemnisation. Il est dit pour le dédommagement, le coût du mètre carré est estimé à Anyama à 10 000 francs. Mais à la négociation, on nous propose 5 000 francs. Que le mètre carré de nos différents bâtis, ce sont des bâtis à logement économique, varie de 200 000 à 250 000 francs le mètre carré.
Pour le coordonnateur du projet de transport urbain d'Abidjan, la somme de 5 000 francs CFA par mètre carré à reverser, par exemple, aux propriétaires de terrain est bien celle définie dans le PAR actualisé. Aujourd'hui, qu'on nous dise qu'ils ont un document qui affirme que c'est 10 000, on aimerait vraiment avoir ce document. Il y a des documents qui existent. Il y a un document qui a été élaboré par la Direction générale des impôts en collaboration avec le BNED, l'AGEF et un ensemble de structures qui dit que dans la zone d'Anyama, c'est de 1 000 à 5 000. Le mot d'indemnisation diffère selon le terrain ou le bâti à indemniser. Sur ces montants de 5 000 et 4 000, à un moment donné, on a constaté que des lotissements n'avaient pas été approuvés. Le montant de 4 000, c'est un montant qui est lié à une lettre villageoise. Et le montant de 5 000 était lié au fait que vous avez un ACD ou un titre foncier. Le périphérique Y4 est une route de 2x2 voies, longue de 26 km, avec un terre-plein central. Au total, 8 000 ménages sont impactés par ce projet de développement routier. Et pour terminer, sachez que l'opération d'affectation en ligne des élèves en classe de 6e commence aujourd'hui à 23h59, selon un communiqué du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. L'opération prendra fin le 5 août à minuit sur toute l'étendue du territoire national. Vous trouverez les différentes conditions à respecter pour certains établissements auprès des services du ministère de l'Éducation nationale. Et c'est la fin de ce JT. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain, même heure, sur la même chaîne.